Chers téléspectateurs, il y a Darin Claire Montima Pembe. Merci de la présence Nabino chaque fois na 100% il m'en a obopé sa confiance. Alors merci Nabino Nyonso obozali libanda ya mboka pe na katia mboka bozaka toujours branché et scotché na katia émission na biso 100% imana. 100% imana qui est présenté par la grandeur de la presse Zina Chibamba moi ça permet la katia Montima Pembe. Merci à toi Lola Asumani pour na befor Nyonso. Merci Nabino Nyonso obozali katlesika oyo bozali kolanda émission oyo na boké Nyonso. Alors, l'actualité est très très dominée. Les lots, tout ça, stade Nabi Sotobengi, stade à 24, où il y a une polémique, tantôt il y a des voisins, tantôt il y a. Et les lots, nous vous confirmons que Ezali stade Nabi Sotobengi, les lots, Awana Yemoko Peka, Ezali président Nabi Sotobengi, il y a Darin Claire Motsema Pembe, Ezali Nae Awa, les lots, pour un mariage, Moro, Ezali Kosalato, Ezali na partenariat, Moko Mounene, Oye, pour un coach Darin Claire. Alors, Zala toujours branché, Nakatia, DSMP, officiel dans la YouTube pour recevoir biso facilement fait qu'on pose en acte chaque jeudi à partir de 21h15 sur Absi Télévision au Ezali chaîne Moko et Pessi biso occasion ya kolanda ba news ba vraie information ya Darin Claire Motsema Pembe. Alors pour na lelo to tika bino na kati ambiance o to zali nango na kati ya stade na biso moko pe to zali ko tika bino li susu kolanda événement oyo Ezali ko salama. Merci à toi les TG Salem Kasembele, ou à Simba Penza Finance à Darin Claire Motsema Pembe, pourquoi pas na PKE Moko ou à Zali Titeur ya Darin Claire Motsema Pembe. Tous à toujours même moral pour tout l'anda émission na biso Kino Nasuka. Merci beaucoup à toi Lola Asumani, même moral toujours. Thank you.
président de la section junior, parce que cette fois-ci nous voulons bien active. Et nous appelons l'équipe massive. Il est... Ah, j'ai oublié les trésorier général. Il s'est payé à Salem. C'était pour l'inauguration et beaucoup de travaux nécessaires. Aujourd'hui, les réalisations sont frappantes et s'accomplit toujours. Le besoin du comité de direction pour cacher de l'événement n'est pas toujours. Cette fois-ci, il est appuyé de nous. La vie fait des droits. À travers les habits, on fait une identité de quelqu'un. Il s'est dit, je vais peut-être vous montrer comment ça fait la journée. Acte humain, nous appelons l'air, acte humain, le tenu ménage spécial qui s'appelle humain. Et c'est pourquoi, avec l'autre équipe, Ida, je suis présent. Applaudissements. Il n'a pas croisé les bras. Contre vents et marées, il s'est dit, je suis là, je dois conduire le navire, drinker mon témoignage jusqu'au bout. Il ne faut pas se fatiguer. Quelles que soient les incohérences, quelles que soient les quêtes avant que certaines personnes sont après de le mettre pour le décourager, ils ne réussiront jamais. Et jamais à leur connaissance. Merci. Bon, c'est bon, moi je mange. Le président Fabrice, de jeter un coup d'œil et puis à côté aussi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
de jouer d'abord. Numéro 1, la présidente d'Afrique. Dans la vie pour Fra Sembélé. Et c'est mon gars, il m'a dit, on a la bien.
Merci beaucoup.
Bon, l'achat, on va vous indiquer des lieux, ce qui signifie que déjà ici, là où nous sommes, je crois qu'il y aura un gros shop là devant et nous allons indiquer toutes les adresses qu'il faut. Ça ne sera pas le moment de les dire, mais sinon, comme vient de dire le partenaire, il y a déjà des équipements qui sont en route pour les supporters. Et à quel temps, en train de voir, vous savez, notre souci, ce n'est pas de faire des commerces pour les supporters, mais c'est surtout de contribuer à l'équipe. Donc, nous allons encore estimer à quoi ça va représenter d'autres frais administratifs, la douane et autres. Ça va nous permettre d'évaluer et puis de mettre vraiment un coût que tout le monde peut porter, peut acheter. Le contrat, quelle durée du contrat? La durée a toujours été par saison, mais nous avons fait pendant 3 saisons. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont le monopole de d'autres sponsors. Ça, c'est un contrat d'achat que nous avons fait. Et nous avons aussi la possibilité d'ouvrir la porte pour d'autres sponsors qui veulent absolument accompagner l'équipe. Merci beaucoup. Question d'actualité, les relations entre les Connors et les DSMP. Mais écoutez, je pense que vous êtes mieux placés pour savoir ce qui se passe avec les Connors. Nous avons été tous très contents de voir l'arrivée des Connors, mais ce qui s'est passé, DSMP n'est pas du tout d'accord et content avec les Connors. C'est tout simplement ça que je peux vous le dire. Et sans pour autant aller dans les détails, je me limite à votre question. DSMP ne sera pas en Afrique. Un message aux supporters qui ont mal reçu cette décision du Connors. On a vu dernièrement des menaces et tout. Mais c'est normal. Moi, je n'encourage pas de cette façon que les supporters ont réagi dans la salle et tout ça. Je ne suis pas du tout responsable, mais vous savez, la colère peut pousser des gens à agir différemment. On est ici, chacun a son éducation, donc je ne suis pas responsable de l'éducation de tout le monde. Mais ce qui est vrai est que la manière dont le Connors a analysé les choses, ou la manière dont ils ont fait leurs procédures, ce n'est pas conforme. Ce n'est pas comme ça qu'ils devaient les faire. Je crois que leur premier rôle, c'était d'accompagner les équipes, plutôt d'enlever et que nous perdons une place dont la République aujourd'hui est représentée par 3 équipes, ce qui n'est pas normal. Dernière question. Vous trouvez une solution par rapport à ce dossier? Non, parce que nous avons encore l'ouverture. Il y a encore une possibilité. De toute façon, Dering ne devait pas jouer les préliminaires. Nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons démontrer vraiment que Dering est dans ses droits. Si je dois résumer ce qui s'est passé, en bref, vous avez remarqué vous-même comment est-ce que nous avons commencé par tâtonner, soit Coupe du Congo, soit qu'on puisse remettre le truc, soit la Coupe du Congo, soit le championnat. Finalement, c'était les problèmes de 5 joueurs. Finalement, c'était pas ça. Finalement, c'était, bon, voilà, Dering et 5 équipes sont envoyées à la Coupe de Coupe d'Afrique, ce qui est normalement la première fois qu'on envoie 5 équipes en ce sens. Finalement, on nous félicite avec 4 équipes pour dire que Dering était dedans. Et 2 jours après, on reçoit une lettre pour dire que Dering est écarté. Alors, c'est dans ce sens-là que nous disons que Connors n'avait pas les droits. Car on a eu des informations après de la CAF. La CAF n'a jamais sanctionné Dering à ce niveau-là. Ça venait de Connors. Et pour quelle raison? Il fallait absolument remplacer Manye Maignan, qui ne répond pas dans les critères. Vraiment, à aucun point, Manye Maignan répond dans les critères. Je suis d'accord avec mon frère Tango Fort, que j'apprécie beaucoup. Mais à ce niveau-là, Manye Maignan n'avait pas de raison de remplacer Dering. Et j'ai regardé aussi la lettre de Connors en nous reprochant qu'il y avait 3 ans que nous n'avons pas pris contact avec les entraîneurs, ce qui est faux.
parce que moi, je n'ai pas encore fait 3 ans. Dès que j'ai eu mandat, la première des choses, j'ai vu ces entraîneurs, ils ont exigé de leur payer d'abord les 30%, ce qui était fait. Et ils n'avaient pas normalement le droit de dire ça. C'est vrai que les délais qu'ils avaient donnés pour empirer la dette, il faut comprendre que c'était quand même beaucoup. C'est vrai que ces délais-là sont dépassés, mais cela n'est pas une raison qu'on peut écarter une équipe à compétition africaine. Parce que je pense qu'il n'y a aucune équipe qui n'a pas de dettes. Je crois que nous tous, nous avons des dettes à ce niveau. Donc ce qui signifie qu'on a trouvé injuste que Connor puisse envoyer une lettre à la CAF pour demander que Dering soit retiré, que la licence de Dering soit retirée. Donc je pense qu'il devait d'abord nous consulter et après on comprendra une décision pareille. Et à la limite chercher à réconcilier le parti comme leur... comment il s'appelle? Société. Non, je pense qu'il y a... Le président qui était là avant, Chimanga et Belge, ils ont fait pareil. Ils ont d'abord cherché à réconcilier nous et Otis. Donc déjà d'écrire 3 ans, c'est faux. Et puis de 2, par rapport au cas d'Otis. Otis, il y avait un accord qui était signé entre les 3 parties. Donc nous, Otis et la fédération. Donc dans cet accord, Otis demandait absolument qu'il ait resté longtemps, plusieurs années, je crois que vous le savez. Plusieurs années sans pour autant être payé, ce qui signifie qu'il voulait absolument son argent selon les accords qu'on avait signés. Donc, à ce moment-là, on jouait encore une fois la compétition africaine. Il avait souhaité que son argent soit totalement retiré ou la fédération va payer. Ce qui n'est pas le cas. Donc là, j'insiste à ce point. On a joué la compétition africaine. On n'a pas été assisté comme tel. Donc, je crois que sur... 10 matchs joués, le ministère nous a insisté qu'un seul, ce qui n'était pas normalement le cas. Donc c'est DCMP lui-même qui a pris en charge toute la compétition africaine. Et puis jusqu'à ce jour, on n'a pas encore reçu l'enveloppe à question qui vient de la CAF. Ce qui signifie qu'Otis, il n'y avait pas de raison qu'on puisse soulever ces points à ce moment-là. Malheureusement, à la veille, on nous sort encore un truc de Ngata, je crois qu'il s'appelle Ngata, dont ces messieurs, je l'ai vu, je le connais, mais quand j'ai appelé le comité sortant, ils m'ont fait comprendre que c'est lui qui payait les gens et qu'ils n'avaient pas une dette envers Ngata. Donc, je lui ai demandé d'aller et me prendre même le fait qu'il y ait une lettre dans ce sens-là, dont le comité disant qu'il a une dette. Donc, je crois que c'est une histoire montée de toutes pièces, dont le Connor, au lieu d'être côté de l'équipe, nous avons vraiment senti qu'on était abandonné au sort de nous-mêmes. Et voilà, on se retrouve à cette situation. On espère qu'il y a moyen qu'ils puissent rattraper des choses, qu'on puisse harmoniser pour que la RDC soit bien représentée, qu'on ne perde pas une place au niveau de la compétition africaine. Merci beaucoup. Voilà. Bon courage alors. Merci. Et voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs. Il y a Darin Clément Tsema Pembe. Quand on a annoncé qu'il y a des bandes qui ont un événement, il y a un relax, partenariat contre Vitara, Oyo, a fait un moyen et Varese. Alors, merci pour vous qui êtes bien, qui est en attention. Nous sommes toujours branchés dans cette émission. Oyo, pour être en train de trouver une vraie information, il y a Darin Clément Tsema Pembe. Merci à Lola Assoumani. Merci à la nouvelle génération. Merci à Bama, merci à Mama Yenga. Et pourquoi pas, merci à Paul Kassembele, oh vraiment, aïe n'a pas idée à bien. Merci à Obed, oh Aza vraiment, Abed, oh vraiment, pour assister Bisso à l'émission. Merci à la TG Salem Kassembele, oh Azali vraiment financier, oh Asi Barama, Marmois David Clémentier Mapembe. Merci à Paul Lokwa, oh Azali vraiment, pour motiver Bisso Nyonso. Merci à Eme Kengebeni, merci à tout le monde. Merci à Nyonso, Balanda qui vraiment émission Oyo balanda que événement au nenge bande de souki na pesibino ba merci et belé. Alors DCMP to landa bangunju même moral to kaboli mututie pola eko na kosangisa biso to somba ba vares Oyo yango les a contribution na makasi Oyo kosala pona club na biso et avancer to eko bengisa batunyonso ba imanya nyonso
oh bah soit qui tente ya koleka kat nesika oh yo bas a tout même moral to linga équipe et to linga batuté. Merci beaucoup Tommy déjà la souka, merci à Lola Asumani, merci à Faustin Masumbuko, merci à Bidonia sort pourquoi pas chemin de fer balobi lobinde makambu section junior tozana réunion na biso à partir à 15h to yebi déjà lieu to kuta na biso nyonso pe sincère condoléance na je sais que yenga oh déjà yebembe kobima lobby à partir à 10h na lobby zali jour na biso veille mortuelle et le samedi à partir à 10h na Saint Joseph to kuta ni biso nyonso to kuna po na ko pende ko tika ntoto ya moyi et siko wapi to kosala et retour et kozana résidence familiale na Kauka. Merci à toi babo seigneur kuna la poto, merci na RTK oh asimba kapé émission oh bien bien. Merci à tout le monde, merci à Jacques Kabasele, bye bye, merci à Ben.